Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play. On va continuer à taper sur du kebab. Donc là, le but c'est très simple, on a les Russes et les Égyptiens. Faut qu'on se gave. Va être conquérir l'État, donc je lance la guerre pour l'Albanie déjà. Il faut que je récupère la Thrace et Udevdingard. Udevdingard, ça coûte 19. Bon bah, ah non, c'est rendu, et c'est rendu. Le Russe s'est rendu. Le Russe. Le Turc s'est rendu. Il me donne la province là. Donc le Monténégro, il fout la paix, hein, évidemment. Donc on va monter une relation avec ce pays-là, on va pas l'emmerder. Pas raison de foutre la gueule avec Monténégro pour le moment. Hein. Donc j'ai plus qu'à prendre les provinces qui soient ici. Et là, trois provinces pour faire Byzance. Ce serait bien, c'est que tu lâches la Bosnie, que tu commences à t'écrouler ici. Orange et bière. On s'en fout de ce qu'ils font comme pratique. On va les critiquer. Un petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé avoir toujours honorable à ma famille. Hein. Le parti anglais est premier? Ah, ça a changé. C'est son parti anglais pour sa victoire magnifique, hein. Je veux que je prenne le parti anglais majoritaire. Allez. Bon, vas-y, vous rejoindre le parti russe. Ok. Je peux prendre les militaires ou pas? Voilà, hein, félicitations. Ah, mon roi vit, il a 60 ans désormais, Otto de Wittelsbach. Pourquoi ton fils est pas de culture plutôt grecque? D'ailleurs, donc moi j'ai une trêve jusqu'en 1880, il me semble. Ben, juin 80. Il y a, donc, voilà, population. J'ai moins de paysans, enfin j'en ai récupéré pas mal en Albanie malheureusement. Le grec, ça augmente, le turc, ça diminue. L'albanais aussi. La foi et la raison. Les superstitions ont balayé ces conneries. Là, il y a des conflits un peu dans le monde, il y a des coups diplomatiques en Afrique du Nord. L'Autriche, elle fait quoi? Elle participe à rien. Il y a une guerre prusso. Mais c'est bon, faites la paix, je veux dire, la guerre ça a rien. Faites la paix, c'est tout. Humilier l'Espagne, tu pourras jamais l'humilier, elle est loin l'Espagne. La France fait une guerre contre le Sokoto. C'est pire que le drapeau vert. Hein. J'ai pas une option pour dire je veux bien vous agrandir ici mais seulement si c'est rentable. L'industrie automobile, ça c'est rentable l'industrie automobile. Pour en faire en attique. La chimie ça l'est de moins en moins. Les munitions.
M'en fout qu'une usine de mine en Crète. Le papier. Pas du papier qui serait nécessaire quelque part. On fait un peu d'usine, voilà, tranquillement. Ça prend du temps et bon. On va mettre les choses en pause tranquillement. On va faire. Attends que ça s'accumule l'argent. Ah. Ils sont courageux, hein. Mon gouvernement d'ailleurs, mes lois. Les institutions surtout. On va laisser les femmes tranquilles. J'aimerais qu'on puisse faire une gare nationale ou une police secrète. On va faire ça. Créer une gare nationale. Système de santé, bah on fera les hôpitaux de charité plus tard. Y a pas de sécurité sociale. Oh, c'est vraiment pique à la rue. Après, les années 1870, y a pas encore de grosses manifestations. Et pourquoi ce qui rapporte le plus à l'Empire Ottoman, c'est quoi? Celle-ci, elle est à 10% du PIB. Capital à 14. Là, à 12. Faut que je prenne les 3 là, hein, assez rapidement. C'est les 3 qui me manquent, de toute façon. Prochaine fois, j'essaierai de prendre celle-ci, soit de pouvoir augmenter, de pouvoir faciliter les lignes de front. Et si l'Égypte voulait bien. Si l'Empire voulait bien, en plus. S'écrouler, qu'on ait des rebellions de Kurdes ou de Machrikiens, là. Ah, et des Amaras qui ont migré en Macédoine! Niveau religieux, d'ailleurs. Je regarde, mais. Mes religions, la population. Ah, il diminue. Il se convertit à l'orthodoxie au protestantisme, mais il diminue le sunnisme. Bon, bah, c'est pas trop mal. Elle sait, la Bulgare, beaucoup de Bulgares. Là, c'est les Serbes. Pour ça que, honnêtement, on peut pas se mentir. Afro-américain. Afro-américain. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement pourri en Amérique qu'ils préfèrent venir en Macédoine. Ah ouais, d'accord, à ce point-là. Oh les pauvres. De toute façon, honnêtement, la Serbie, je la laisserais. Hein. Honnêtement, le mieux vaut laisser la Serbie ici à un état serbe-bosniaque. La Bulgarie, par contre, ce serait bien que si je pouvais appeler toute la Bulgarie. Quitte à faire des petits états alliés ou tampons ici, hein. Si jamais il pouvait y avoir des états tampons, je veux dire Bosnie, Monténégro, Serbie, qui soient là, ça m'arrangerait. C'est quoi mes relations derrière avec les... Mes rivaux, ils sont où? J'ai pas de rivaux. Oh, tant pis. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Ils sont une chaudière. Pas que ce soit les riches qui gueulent un petit peu pour le moment. Le radical, faut qu'ils diminuent, faut que ça diminue. Voilà.
J'en ai chez les industriels, et là j'en ai chez les industriels. Ah là là! J'ai content ces gens-là. L'intérêt ici pour l'instant c'est. On poursuit le développement, hein. Pas tout. Fonds disponible, voilà, plus 10% de monnayage. L'argent qui rentre dans les caisses. On va améliorer un petit peu le militaire parce que je pense un peu à la rue là. La technologie là, elle sera développée. Une fois qu'on a fait celui-là, on commence les mitrailleuses à manivelle tranquillement. Voilà, grâce à des techniques comme le lavage de mains et les soins au chevet, on peut réduire le nombre d'essais. Voilà, charge à culasse, voilà. On charge les oreilles par l'arrière plutôt que par le canon, ce qui est plus efficace. On fait de l'industrie automobile, parce que l'industrie automobile ce sera nécessaire. Pourquoi t'es prudent, bande de con? Cordial avec les Russes. Cordial avec nos chers amis là. Qu'il y a 0 habitants. Quoi, c'est que la population n'est pas disponible? Faut la faire monter la population, hein. Pour ça, il faudrait des lois qui, par exemple, qui le permettraient, par exemple, de. Mais un système de santé. Hôpital de charité. Hôpital de charité ou l'assurance maladie publique. Sauf que pour ça, il faut que le projet-là soit adopté. Bonne sécurité sociale. Une sécurité sociale, ça pourrait être bien. Ce qui pourrait être utile, ce serait également de faire de la. Administration gouvernementale. Parce que l'administration, j'en aurais besoin de faire plus d'administration. La Chypre, il y a quasiment plus d'habitants. Paysan, il y a 0 pécor. Relation malhonnête. On va éviter les problèmes de type malhonnêteté. Que ça me gêne, mais bon, c'est juste que j'ai pas trop envie que ça. Ça prend du temps, c'est sûr, mais bon, j'ai pas trop envie que de perdre l'influence de certains de mes groupes. Bon, les ruraux. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Pour l'instant, je vais pas faire grand-chose de plus, hein. Les Caraïbes, parfait. Très bien, serait que ces provinces-là soient relâchées. Ça permettrait de couper, si jamais il y avait une guerre, ça permettrait de faire en sorte que l'Autriche puisse pas intervenir directement, puisse. Bah si, après toujours ramener des troupes par navire, mais. Puis on peut toujours péter les navires autrichiens. Et la flotte turque aussi. Un problème.
Ma trêve est dure jusqu'en 1880. Donc j'ai le temps. Voilà, ça y est. Niveau pognon, on construit, mais bon. Du bois, du fer, du tissu et les outils. Des bandes tout lacustres. Putain, mais. En fait, je récupère tous les clous du monde parce que. Putain, sérieusement, la Russie, regarde-moi ça. Il y a l'Oman révolutionnaire qui est ici. En fait, ça part en train de me dire qu'en fait, la Grèce c'est mieux que l'Afrique. Ça, je veux bien le croire. Par contre, le Harar là. Aboubakar Ali, c'est censé être chrétien, l'Éthiopie! Prince Salé, Sélassié Solomon. Oh, les pauvres! Oh, les pauvres! Ils ont tous la même tête, il y a quand même un type de couronne. Hein. Ils se ressemblent tous! Ah, lui, il a plus le petit fesse. T'es sultan, t'as pas de couronne, putain, Jules Clodo, regardez ça. Le connard, je vois, 90 piges, mais sérieusement, paradoxe. Bon, y a Bulgare qui fout le camp, par contre. Une vie dans mon pays, est pas trop dégueulasse. On va faire l'administration gouvernementale, ça j'en ai besoin d'administration. Une province. Tout pour améliorer mes compétences. Mais surtout quand j'aurai fait les lois, par exemple institutions, que j'aurai besoin de plus d'institutions, j'aurai plus de puissance administrative. Les Albanais qui dégagent. Si encore ils pouvaient juste ne pas dégager et se convertir. Parce que là, franchement, sérieusement, première majorité, c'est les Afro-Américains en Macédoine. C'est même pas les Grecs! J'ai plus de proté... J'ai des protestants! Bon, sinon, ça diminue. Parce que le mec se convertit à la culture afro-américaine, mais c'est n'importe quoi, sérieusement. Mais vois ça, la Grèce multiethnique. Première majorité, c'est quand les Albanais, hein. Après les Turcs et les Albanais, hein. Oh. Les Turcs, heureusement, ils diminuent. Et les Grecs, ça monte. Pas des mesures qu'on peut prendre, par exemple, des mesures du genre. Corporer c'est en cours, changer de capital, bah non. Pas une fa On peut pas créer une fac, si. En Macédoine. On créera une fac. Et puis niveau industrie, on va développer. Les munitions. J'ai besoin de produits chimiques. Voilà, vous voyez pourquoi il me faut l'administration, il faut vite que je la crée parce que je vais avoir des problèmes de manque. Eh bien, le pays se développe, hein. Tout
Théocratie, d'accord, ça... ah oui, c'est un patriarche. Pas moyen de voir un écroulement de l'Empire Ottoman, je veux dire, avec des révoltes massives. J'en reviens pas qu'il y ait du bantoulacusre partout. C'est un lieu de connaissance, mais bien sûr! Construire une université! Si je peux avoir une fac gratos pour former de l'intellectuel, moi je dis pas non! Par contre, quand je récupère Constantinople, qu'est-ce que je vais avoir comme administration gouvernementale dans la capitale? Je vais récupérer toute l'administration gouvernementale de l'Empire Ottoman. La population, heureusement, ça augmente. Tous mes territoires sont attractifs. Bon, sauf ici. Attractif. C'est attractif moyennement, ça augmente. Construisez-moi de l'administration, très vite. Coup de commencé, où ça? Tout hâte, ok d'accord. La France. Ouh, la France qui fait son petit bloc là. Faut conquérir ça, la France, faut. Les tâches américaines. C'est dégueulasse. La France bouffe ça. Et le toit, histoire de faire chier les Américains. Les Américains, tu pourrais laisser foutre jaloux aux Américains. Ça aurait été mieux que les Américains ils laissent ça, et au pire qu'ils prennent tout ça. Enfin un beau truc carré. Enfin bon, moi j'aime moi je suis quelqu'un qui aime les belles frontières. Qui c'est? Attendez. Pas lui. Les Albaniens. 0,1%. Ah, je vais avoir d'autres intérêts. Ouais mais bon, je vois pas ce que je pourrais avoir comme autre intérêt. Et celui-là, c'est tout. Je vais faire un protectorat. Moi 55. Ok, je peux peut-être leur proposer. Tu veux rejoindre le. C'est clair. Allez, que le train soit ponctuel. Et moi, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et salut tout le monde. Bye bye.